Comme chaque semaine depuis maintenant 2 mois, Faustine, 18 ans, s'en va rencontrer Bizane, 12 ans, pour faire du tutorat. Commissaire, comment ça va? Bien, toi? Ça a été ta journée à l'école? Oui, bien. Oui. Originaire de Syrie, Bizane est au Québec depuis 4 ans. Je parlais pas français. Je connaissais juste bonjour, je m'appelle Bizane, c'est tout. Faustine aide surtout Bizane à développer son vocabulaire. T'es rendu à quel chapitre alors cette semaine? Est-ce que t'as bien avancé? Ce jumelage a été rendu possible grâce à l'initiative À deux pas de la réussite, un programme de tutorat lancé en 2017 dans Lanaudière, où des étudiants du cégep viennent en aide à des élèves du primaire qui ont des défis académiques à relever. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça a l'air intéressant avec des enfants, aider des enfants aussi. Et dans mon projet plus personnel, j'aime être orthophoniste avec les enfants, donc c'était encore plus intéressant pour moi. Ça m'a permis aussi vraiment d'être sûre dans quelle voie je vais aller. La particularité du modèle, les étudiants tuteurs ne sont pas rémunérés, mais un de leurs cours est crédité. Moi, je trouve ça très bien. C'est du bénévolat, donc c'est aider les autres. C'est hyper intéressant. Il n'y a pas très longtemps, j'avais l'âge de Bissan, donc je me dis des fois, peut-être que ce soit une adolescente ou une jeune adulte qui puisse l'expliquer des fois dans des termes, dans des mots. Puis moi, je n'avais jamais connu ça en France. On n'a jamais connu ça. Et au Québec, je trouve que c'est une très belle initiative. Ceux qui choisissent de faire ce projet-là, c'est qu'ils ont déjà un intérêt. Donc, la première chose que ça fait pour eux, c'est que ça va venir confirmer ou infirmer au niveau de l'orientation professionnelle. Il y a des étudiants qui sont intéressés par l'orthophonie, par l'enseignement, par toutes formes de relations d'aide. On continue la lecture? Oui. On peut finir cette page-là et ensuite l'autre? Oui. Et après, on se fait un peu de vocabulaire, ça te va? Oui. Bizane et son enseignante voient déjà des améliorations grâce à l'aide de Faustine. Faustine a m'aide à lire, à me concentrer. Si je veux écrire une phrase, je pourrais chercher dans mes exercices qu'on a fait avec elle pour trouver une belle phrase pour l'ajouter dans mon texte. Puis ça m'aide, je trouve. Ça vient vraiment s'ajouter à mon enseignement, là. Vraiment, c'est vraiment complémentaire à tout ce que je fais. Une expérience qu'elle qualifie en ces mots. Bénéfique et vraiment aidante. Oui, vraiment. Jusqu'à présent, le volet tutorat d'À deux pas de la réussite, c'est 250 tuteurs pour autant d'élèves tutorés dans un cégep et 4 écoles primaires participantes dans Lanaudière. Mais le cofondateur du projet voit plus grand. Ça demande que le ministère de l'Enseignement supérieur prenne sous son aile son programme de tutorat pour le rendre accessible à tous les cégeps du Québec. C'est gagnant-gagnant pour le ministère. C'est leur futur relève, en fait, là, qui vont aller dans leurs écoles ou dans leurs collèges et universités. C'est une formule, d'abord, qui est très économique. Ça coûte pas cher pour le réseau. Et c'est une formule, là, en bon québécois, d'efficacité de réseau. Une rencontre à ce sujet est d'ailleurs prévue avec la ministre de l'Enseignement supérieur dans les prochaines semaines. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, L'Assomption. Bonjour.